Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici on tricote. Aujourd'hui nous allons réaliser ce point. Alors c'est diagonale 2, voyez, hop, regardez, je vais essayer de le faire voir un peu mieux. Voyez, ça fait des diagonales comme ça. Elle est super jolie. Donc ça, je l'ai fait avec du coton. Donc ce coton là vous pouvez le retrouver sur ma boutique ici on tricote.fr. Du coup, ce coton, c'est celui-là. Voilà. Vous voyez? Hop. Donc, il fait 50 grammes. C'est des pelotes de 50 grammes. 125 mètres. Et c'est 100% coton. Voilà. Vous pouvez le faire 3, 3,5. Moi, j'ai pris des aiguilles de 4 et ça va très bien. Et vous pouvez le laver à 40 degrés. Voilà, donc c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé ce coton. Vous avez plusieurs couleurs sur mon site, hein. Je crois que j'ai déjà du bleu, du blanc. Voilà, vous pouvez essayer parce que franchement, il est vraiment bien. Donc, ça s'appelle ce point diagonale 2. C'est un multiple de 7 plus 2 mailles. Il se fait sur 14 rangs. Par contre, il faut vraiment, vraiment suivre le motif. Hein. Vous allez voir, il n'est pas dur, mais il faut le suivre. C'est que des mailles en droit et mailles envers. Donc, moi, j'ai mis très peu de mailles. Hein. J'ai mis 9 mailles, je crois. 2, 4, 6, 8, 9. Pour aller plus vite, parce qu'il y a 14 rangs. Alors, on y va. Premier rang, une lisière. 4 envers. 1, 2, 3, 4, 3 en droit, 1, 2, 3 et la maille lisière. Voilà, tous les rangs pairs, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 et ainsi de suite, vous allez faire les mailles comme elles se présentent. Donc, c'est pas dur. Comme elles se présentent, vous les faites. Quand elles sont à l'envers, vous les faites à l'envers. Quand elles sont à l'endroit, on les fait à l'endroit, tout simplement. Le troisième rang, on va faire pareil. On va faire une lisière, toujours. Et on va faire, hop, deux envers. 1, 2, 3 en droit, 1, 2, 3, 2 envers, et on finira par la maille lisière, quatrième, comme elle se présente. Cinquième, une lisière et on va faire trois endroits. 1, 2, 3, 4 envers. 1, 2, 3, 4 et la lisière. Sixième, comme elle se présente. Envers, endroit, 2, 3, 4 et 3 envers. Et la maille lisière. Maintenant, vous allez faire une lisière au septième, pardon, une endroit, 4 envers. 1, 2, 3, 4, 2 endroits et la maille lisière. Huitième, comme elle se présente.
neuvième, la maille lisière, et on va faire 3 envers. 1, 2, 3. 3 en droit. 1, 2, 3. Une maille envers. Et la maille lisière. Dixième, comme elle se présente. Onzième, une lisière, une envers, trois en droit, 1, 2, 3, 3 envers, 1, 2, 3. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais il faut reprendre, comme on est au 11e, à une envers, 3 en droit, 3 envers, hein. Et on finira par une lisière. 12e, comme elle se présente. Treizième, une lisière, deux endroits, pardon, 1 et 2, 4 envers, 1, 2, 3, 4, une endroit et une lisière. Quatorzième, comme elle se présente. Alors, je vous conseille de marquer vos rangs. Si vous arrêtez au troisième ou au quatrième, ou de vous le marquer parce que vous en rappellerez pas. Après, il fait vraiment joli. Hein. Quand vous faites un bon morceau, il est vraiment joli comme point. Mais on a vite fait de se tromper quand on s'arrête. Et voilà. Et on a fini notre diagonale 2. Voilà. Et là, déjà, on voit bien que ça part en diagonale. Hein. Déjà. Voilà. Oh, je trouve jolie cette laine là, ocre là. Oui, c'est ocre hein, comme laine, comme coton. Voilà, c'est souple, c'est incroyable. Moi j'ai fait avec du 4 hein, là, mais c'est vraiment souple. Hein. Voilà. Et voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime, abonnez-vous pour ne rien louper et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos.